Nous sommes l'école de théâtre à Bon. Vous allez voir donc jouer les adultes qui sont les plus expérimentés en improvisation. Donc je vous explique un petit peu le principe. Vous avez rempli les petits sujets. Ces sujets seront les titres des improvisations qui vont être jouées. Ce que vous allez voir, c'est encore plus délicat parce que ce sont des duos. Alors ils sont 6, mais ils vont quand même jouer uniquement en duo. C'est vous qui allez nous donner des contextes dans lesquels vont se passer les duos. Hein? C'est-à-dire qu'il va y avoir des duos, deux personnes vont jouer, ils vont être, je ne sais pas, si par exemple vous dites le contexte du désert, il y en a qui va arriver, ah j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, donc il dit, ah bah tiens j'ai de l'eau, donne-moi. Ouais, oh. Donc, c'est vous qui allez me dire, par exemple, bah, le premier duo, il va jouer dans le désert. Et c'est dans le désert que ces joueurs-là vont faire des improvisations qui, elles, n'auront rien à voir avec le désert. Mais entre chaque improvisation, ils se retrouveront dans le désert. Est-ce que je suis clair? Non, c'est pas grave, vous allez comprendre par l'exemple. Par contre, il me faut des contextes, des endroits où vont se passer les duos. Est-ce que quelqu'un a une idée de contexte? La jungle. La jungle. Un contexte, premier duo, c'était qui? C'était vous, ça se passe? Dans la jungle. Ma mère au sex shop, elle est déjà folle. Il faudra bien qu'on apprenne un jour ou l'autre. Donc on avait dit ma mère. En tant que chef, je vais donc prendre une décision. Oui, oui, c'est normal. En plus, c'est vous l'homme, chef. Ouais. Attention quand même, par les temps qui courent, être un homme et chef, c'est prendre des risques. Regardez. Dis donc, t'es dans l'eau, il y a des espèces de feuilles. J'ai envie d'en sucer une, pour soir. Il y a des choses écrites. C'est peut-être le chemin pour sortir de là. Oh là là, j'ai pas mes lunettes. Hein. Vous sucez des choses écrites? Oui. D'ailleurs, c'est bon. Il était une fois dans l'Est et dans le Sud. Je suis croque-mort. Ah bah, attendez. Mai 62. Me redresse. 85 par là. 90 même. Je prends mes mesures parce que vous savez, dans mon coin, il n'y a plus grand monde, ils sont tous au cimetière et c'est moi qui les y emmène en général. Et m'est avis que votre visite pourrait bien se terminer par là-bas pour vous aussi si vous vous attardez un petit peu trop dans la région. Ah ouais? Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mon gars. Oh oui, vous avez raison d'être optimiste. Il est joli, le cimetière. Au printemps, il y a des mimosas qui poussent. Par contre, on paye d'avance dans la région. C'est comme ça qu'on fait. Donc, j'ai dit combien déjà? 80, 1m60. 90, 60, 90. Je vais le noter parce qu'il faut que je vous prépare ça. Mais attendez, parce que moi, j'étais pas venu pour ça, là. J'étais venu pour la voie ferrée, je vais acheter les terres. Oh, mais ça, pour acheter les terres, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a plus personne, de toute façon. Alors, elles vont pas être chères? Ça dépend. C'est moi qui vends maintenant. Mais dites donc, vous faites tout dans le coin, vous. Forcément, je suis le dernier survivant de la contrée. Depuis le temps que j'attendais un nouveau client, vous pensez si je suis content de vous voir, hein? Oh, vous avez mauvaise mine, quand même, hein. Ah bon? C'est bon signe, ça. Sex friend. Sex friend. Je suis là incognito. J'ai rendez-vous avec une nana que j'ai rencontrée sur le site, mais si jamais ça le faisait pas, je préfère pas qu'elle sache que c'est moi. J'ai l'impression qu'il y a un imbécile à ma droite qui fait croire qu'il a rendez-vous avec moi, mais il a aucune chance. Hein. Vous attendez une main dans vos cheveux, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu. Oui, mais non, mais arrêtez là. Arrêtez parce que ça va se passer. J'arrête avec la main dans les cheveux. Vous attendez un frôlement dans votre dos, n'est-ce pas? Comme ça, quelqu'un qui frôle et qui passe. Hein? Vous l'attendez, ça. Les gens du coin, parce que visiblement, il y a quand même des gens qui vivent dans cette... Je sais quel mot je peux mettre, quel qualificatif là-dessus, mais enfin, dans cette jungle, eh bien, ils mangent justement des insectes. Et or, vous venez de dire qu'on en entend quelques-uns. Essayez, juste aventure culinaire, Geneviève. Ou alors, on avance dans la jungle. Allez, avancez, chef. Je vous mets derrière parce que... Scarabée. Vous voulez bien goûter, Geneviève? C'est bien parce que c'est vous, hein.
après avoir soucié. C'est vous qui foutez maintenant. Oh, vous comprenez bien. C'est vous. Ah non, c'est vous maintenant. Ah non. C'est moi. Ah oui, oui, je vais avoir une indigestion, moi. Entre soucié et craquer les scarabées. Je sais pas, ça a un goût de. Ça a un goût d'illisible. On aurait dû enlever les lunettes, chef. Aïe, aïe. Mojito. Mojito. Mon avis, c'est ça. Aïe, aïe, mojito. Aïe, aïe, mojito. Aïe, aïe. Non, on va se trouver encore en samba. Oui, vous passez la secrétaire, s'il vous plaît. Oui, Amandine, vous pouvez me monter le rapport Non, vous ne voulez pas le monter, ben envoyez-le-moi par mail alors à ce moment-là. Hein? Parce que vous êtes en retard sur votre travail là. Merci. Oui, il faudrait que je le lise, votre rapport, effectivement. Et ce matin, encore. D'accord, merci. Ok. Aïe. Là, je vais racheter Total, Fina, Elf et tout le pétrole du Qatar. Les actions. Pour la fortune. Vous avez, chef, non, patron, la chance. Mais vous avez eu Amandine au téléphone, là. Alors, celle-là, j'attends le rapport, là, par rapport au pétrole du Koweït. Je ne sais pas encore si je prends les parts dans les pétroles du Koweït. Ouais. Par contre, le Qatar, c'est fait. Alors là, ouais, bah, hey, c'est le coup du siècle. Ouais, ouais, et ça ne viendra pas, Amandine. Comment ça, elle ne viendra pas? Ah, elle ne viendra pas, elle s'est mise en maladie, Amandine. Comment ça, elle s'est mise en maladie? Et c'est moi qui la remplace. Mais alors, j'ai eu au téléphone tout à l'heure, maintenant j'ai eu la standardiste qui devait. Ouais. Ah, vous avez raison, maintenant que vous le dites, je n'ai pas eu Amandine directement. C'est moi qui la remplace. Mais d'où sortez, vous, qui vous a embauché? C'est quoi le patron, vraiment, non? Je m'appelle Josiane, et c'est moi qui remplace toutes les. Vos secrétaires, là. D'accord. À partir de maintenant. D'accord. Ouais. Et vous vous attendez un peu dans la finance? Ouais. Je m'entends surtout dans les papiers. Ah non, les papiers sont finis, ça, les papiers c'est au siècle dernier. Nous, tout est informatisé maintenant. Ouais. Algorithme, tout ce qu'on veut. Bon, je vais vous former. Alors. Ouais. Allez, installez-vous là dans l'ordinateur, allez-y. Alors, ça, ça s'appelle une souris. Vous connaissez quand même? Ouais, ouais. J'en avais plein dans la cave de ma grand-mère. D'accord. Pas tout à fait le même style, et cette souris-là, vous là, caressez bien là, vous. Vous avez des petits boutons. Et quand vous appuyez sur un petit bouton, cette action. Ça s'appelle cliquer. Oui, ok. Ah, non, non, vous cliquez mal là, oula. Attention avec les algorithmes, c'est au millionième de seconde près que ça se joue. Ok. Donc, quand on clique, tout est dans le geste. Oui. Regardez bien. C'est là, hein. Oui, mais là on s'entraîne d'abord. Oui. Sinon vous allez me faire une connerie et ça se trouve je vais revendre le Qatar aux Américains. Oh, bah, je ne vais pas vendre le Qatar aux Américains. Voilà, donc tic. Bah, trop long, trop long. Tic. Et c'est, alors, voilà, donc, ensuite votre souris vous la baladez. Et puis, regardez, ça correspond à la petite flèche qui est là. Ça s'appelle un curseur. Vous comprenez le truc, là? Oui. Voilà. Allez, non, le Qatar encore cliqué encore. Ouais. Oh, c'est bon, cliqué encore. J'ai vendu. J'ai vendu Elf. Vous avez vendu à perte, là. Je suis ruiné. Ouais, bon. C'est pas grave, il y a des choses plus graves. C'est 5 minutes que vous êtes dans ma boîte et vous avez déjà fait tout couler. Je peux même pas vous virer, de toute façon. Ah non, on ne peut pas me virer, hein. J'ai un dossier comme ça. Alors attendez. C'est quoi cette histoire de dossier? Bah, mon dossier couteau rec. On pourrait jouer au solitaire. Ah ben, tant que l'huissier n'est pas encore venu récupérer les ordi, on va en profiter pour faire quelque chose solitaire. On pourrait aller se boire un petit coup aussi, hein. Aïe, 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 mojito, hein, c'est là. Alors, ces chenilles, vous les digérez bien, vous, Geneviève? Oh ben, j'en ai à peine goûté, c'est vous qui avez mangé tout ce qu'il y avait dans le lit, là. C'est un scandale, ça, vous m'en avez laissé qu'une. Mais vous rechignez, vous avez pris trop de temps. Oui, alors, ces chenilles-là, elles étaient croustillantes. Oui, mais moi, quand j'ai vu que vous mangez tout de suite, ça doit être bon, et vous n'avez rien. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu du bruit. Mais il y a peut-être des indigènes, il y a peut-être des habitants qui vont nous guider pour sortir de là. Nous guider ou nous réduire la tête? Ah ouais, c'est embêtant. Il y en a qui font ça.
en Amazonie. Ce sera embêtant. Mais il faut qu'on avance quand même un peu par là ou par là. Hors de question d'avancer tant qu'on n'est pas sûr qu'on a affaire à des indigènes sympathiques. Bon. Alors, on ramasse quelques feuilles et on va leur offrir. Ah ouais, vous croyez que c'est un cadeau pour les aider? C'est des feuilles et des gens qui vivent dans l'Amazonie. Les feuilles qui étaient dans le frisson, là. On les prend, mais je sais pas, vous trouvez une solution. Alors peut-être que... Ouais. Vous savez, sur ces feuilles-là, on pourrait peut-être les hisser comme un drapeau blanc. Voilà, pour leur montrer qu'on est pacifique. Ah bah si vous voulez. On leur veut du bien. Ouais, ah. En espérant que pour eux, ça veut dire pacifique, hein. Ouais. Ouais, ouais, allez, on y va. Oh, oh. Et on leur donne comme ça. Arrachez-en une. De feuilles. Une, c'est tout. Bah déjà, on va commencer par une et puis on verra. Oh. Ici, là, tu la vois peut-être les indigènes, là. Tu vois que. Hé, ah. Fils, là. Hé, oh, les Indiens. Cool, on est des sympas. On n'est pas les méchants. Ça réagit dans... pas. Non. Attends, peut-être que sur la feuille, pour qu'ils lisent des messages sur les feuilles et que. Mais toi, personne ne te connaît, t'es une illustre inconnue, t'as jamais eu un Oscar. Bon,
Et tu vas te permettre ce genre de luxe, quoi. Oui, mais il n'y a pas besoin de texte, en fait. Ah, il y a besoin de texte. Bah oui, non. Regarde, tu me regardes et quoi? Ouais. Ah, je te regarde et j'ai plus envie. C'est de faire une scène de cascade avec toi. D'ailleurs, on n'a pas besoin de texte. On est dans la bagnole, tous les deux. Dans la bagnole, et les méchants nous suivent. Attends, mais de la porte, on la rôle, ça. La bagnole, elle est déjà là. Je suis John Travolta, et donc je suis crédible. Oh, moi, je monte pas, c'est tout pas la porte. Du coup, ils vont nous sortir une nouvelle actrice. Bon, ça va. Oh. Et là, c'est parti pour la cascade. T'es prête, ma poulette? Ouais. Là, on y va. On va faire monter le compteur jusqu'où il peut même pas aller, d'ailleurs. Et là, évidemment, on se viande. Et la cascade était crédible. C'est pas volontaire, moi, pour la mission. Non, non. Mais j'ai coché la mauvaise case. Quoi? Oui, bah moi je voulais pas venir, mais bon, je me suis trompé avec le formulaire là. Le 245, là. Ah oui. Il fallait cocher la case à 3, j'ai coché à 2, et du coup je me suis retrouvé. Et vous avez suivi 15 ans de formation sans jamais dire à personne? Je pensais que je pourrais pas revenir en arrière, quoi. Ah, mais là c'est sûr que pour revenir en arrière, c'est. Tu peux regarder, y'a rien. Y'a rien, on est. Ouais, bah... Je vois bien qu'il arrive. Bon, c'est pas grave. Avançons. De toute façon, il va falloir vous y faire. Hein. Parce que ici, il n'y a pas vraiment de contact avec le monde extérieur. Il n'y a que notre machine à télégramme, notre chère machine à télégramme, qui pourrait éventuellement nous servir en cas de départ. Regardez-moi ce point du lunaire. Comment ça se fait qu'il y ait de la fumée? Normalement, il y a de la fumée sans feu. Il ne peut pas y avoir d'oxygène. Mon Dieu, vous étouffez? Hanson, vous étouffez, mon Dieu! SOS! SOS, SOS! SOS, la NASA, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Je répète la nuit dernière! Oh mon Dieu! Ils viennent de nous envoyer un message! Ils nous disent! Mon Dieu, mais que nous disent-ils? Ils nous disent qu'on est dans les prêts! Je te rappelle, si t'es pas au courant, il va falloir tout raser. Tout raser? On rase tout là. Tout, ah oui, tout, on rase tout. Ah oui, les boutons. Les boutons, on va les tondre avec non. La tondeuse. Non. Quand je parle de raser tout, souviens-toi, on est là pour construire un immeuble de 30 étages ici. On fait du parking partout. Non, les lapins, tout ça, ça vire. Mais ils vont où? Les petits lapinots. Ils vont aller où, les petits lapinots? Et le mieux, c'est... on fait des grands trous, on verse tout dedans et on bétonne. On bétonne, je dis. Moi je croyais que c'était juste une semaine au fer. Ma maman a dit que ça travaillait, que ça calmait mes troubles mentaux. De toute façon, t'es comme méchant si vraiment tu veux faire ça. Si tu veux, on fait un petit espace vert là. Un petit espace vert avec tous les animaux. Oui. Oui, n'oubliez pas de fermer la visière de votre casque. Sinon, vous mourrez. Ah. Non.
Donc, le motif lunaire. Je vois des lumières par là-bas. De ces grandes lumières qui sont bien. Je vois un comptoir. Je vois. Qu'est-ce que c'est que ça, Johnson? Est-ce que ce serait une relique extraterrestre? Mon Dieu! Mais que sont ces lumières? Johnson, je m'approche, je fais une espèce de manœuvre. Oh mon Dieu, mais quel fou! Johnson, Johnson, je crois que nous avons un problème, c'est un alien! C'est un alien, Je suis avec vous! Je vous suis! Venez immédiatement, Johnson! Oh mon Dieu! Que dit la NASA en cas d'attaque? En cas d'attaque alien, envoyez-leur un télégramme vide! Je vais essayer de sécuriser la menace! Les Allemands, ils vont attaquer. Je le sais, j'ai entendu par où marteau. Mais moi, j'avais pas envie d'aller à la guerre. Je vais rester chez moi. Arsène de Vren! Oui, ça débute pas. Salaud! Je vous aurai, saloperie de français! Excusez-moi! On avait dit pas les grenades, oui, je... Non, on avait pas dit pas les grenades! On avait dit pas les grenades! Vous savez, on peut envoyer 1000 fois une grenade, mais on ne peut pas envoyer une fois... Non! On continue la guerre? Mais pas de grenades! Ok, pas de grenades! Y'a pas de soucis! Nous allons le prendre par le flanc. Vous auriez pas un petit peu faim? Y'a rien. Est-ce qu'il nous reste des chips? Ok. Nous avons un paquet de chips. Elle seule, par contre. Nous, on a le meilleur de la gastronomie française. Du bœuf en gelée. ça s'appelle du bœuf. Je parle pas allemand, c'est du bœuf en gelée. Ah, du bœuf en gelée? Bœuf en gelée. Je ne comprends pas, monsieur. Je ne comprends pas comment on peut prendre une vache et la geler ensuite. Ça n'a pas de sens. Ouais. On prend le bœuf. On prend le bœuf. On le prend. Oui. On prend le bœuf. Et on le tue. Et on... Vaut mieux, parce que sinon, forcément, ça marche moins bien. Et vous y comprenez rien à la bonne cuisine, hein, parce que vos patates, hein, tout le temps en train, que de la patate. Ah, oui. Que de la saucisse et de la patate. Oui, mais normalement... Le matin, petit déjeuner, saucisse patate. C'est la part de notre alimentation, espèce d'ignorant. Ah, vous voulez des tartes au fun? Des patatos! Des patatos! Ah, c'est encore dans les cuisines! Attendez, ne bougez pas! Envoyez-vous les tartes au fun, s'il vous plaît! Des tartes au fun pour les années! Et comment ça fait grand, frère? Auriez-vous. Ah, une frotte et une tarte au fun! Please! La cacahuète de la paix. Oh non! Oh non! Non! Ah! Désolé, autant vous finir de suite. Dans la forêt.
personne n'a jamais la trouille. J'ai peur de rencontrer des animaux sauvages. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh, ça ressemble à... Quoi ça ressemble à... Oh, j'ai l'impression de voir un scarabée. Je m'éloigne, je m'enlève de là-bas. Ma maman, elle m'a dit, moi, je suis courageux. Mais moi, je suis courageux et aventurier. 20 ans plus tôt. Écoute, mon chéri. Écoute, maman. Écoute, maman. Si tu veux devenir courageux plus tard, quand tu seras grande, que tu pourras aller enfin dans la forêt chasser le loup comme papa, oui. Il faut que tu manges des épinards. Alors... Je n'aime pas les épinards. Comment tu veux devenir fort? Comment tu veux devenir fort? Mais maman, ça ne veut pas des épinards. Allez, maman, elle fait la chambre. Oh, quelle belle cette queue!
Oh, oh, c'est celle-là, Fernando, de ta gondole. C'est celle où il y a écrit... qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta gondole? La gondole. Il y a une espèce de truc écrit qui a... C'est pas ça, Charlie, je te sais. C'est écrit un truc à la con. C'est comme ça que tu la reconnais. Oui. Tu l'as baptisé le chien regarde bien... un sécheux. Tu l'as baptisé... Nous avons des problèmes de presbytie. Comment tu l'as baptisé, ta gondole, merde? S'il vous plaît, aidez-moi. Petit poisson. Petit poisson. Poisson. Oh, vas-y, même cocaïne. Accroche-toi, Fernando. Oui. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Je lâche pas, je te tiens. Je te tiens. Le chien regarde. Ah oui, c'est marqué sur ta gondole. Oui. Regarde, le chien regarde bien un archevêque. Oui. C'est lui qui a composé le menuet en fa ré-moll. C'est un expert du fa ré-moll en dièse minol. Alors, il a inventé une musique du futur qui fait un truc qui s'appelle rock'n'roll. Mais qu'est-ce que c'est cette chose étrange? Ah, c'est fou, parce que c'est le fou du rock'n'roll. Vous pouvez me montrer qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, il n'y a que les chiens qui ont frétillé de la queue. Moi je vous montre, hein. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas la valeur de ce que l'on voit aujourd'hui à la cour de Versailles. Ça fait un truc un peu... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
tu aies déjà 14 ans. Il faut m'opérer, tu es russe, ma balle. Je crois que je vais accoucher moi aussi. Laissez-moi vous faire l'amour avant de mourir. Oui, excellente idée.